Un lieu unique avec un jardin de 1000 mètres carrés orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport. Bonsoir, bienvenue dans le Club Éco d'ObjectifNews.tv. Nous recevons ce soir le président d'Aerolia, Christian Cornil, bonsoir. Bonsoir. Alors, un an et demi que nous parlons de plus en plus d'Aerolia, cette belle entreprise, jeune entreprise, mais qui aujourd'hui a, en tous les cas, toute une histoire derrière elle, plus de 200 collaborateurs. On se rappelle, ça avait été la création de cette société par le biais de ADS, après l'échec de la reprise de la TQR des sites de Méholt et de Saint-Nazaire. Aerolia a fait son chemin depuis, beaucoup de développement. J'avais envie de revenir avec vous, Christian Cornil, sur les axes stratégiques qui avaient été définis dans la création de cette nouvelle société, à la fois sur sa capacité à continuer à investir sur le marché français, bien sûr, sur les besoins d'Airbus, notamment en aérostructure, mais aussi revenir sur vos souhaits de se développer à l'étranger, sur d'autres marchés, mais également sur des concurrents chez Airbus. Et enfin, revenir sur un troisième point. On avait beaucoup parlé de la création de votre structure en Tunisie, en low cost, de pouvoir faire un nouveau point là-dessus. Christian Cornil, tout d'abord, aujourd'hui, quand on parle d'Aerolia, sur le marché d'Airbus, comment se sont portées aujourd'hui à la fois les commandes et le travail et vos relations avec Airbus? Puisque j'allais dire, vous êtes des cousins germains. Alors, c'est vrai qu'on est des cousins germains. Ça fait désormais, donc vous l'avez dit, 18 mois que cette société est créée. C'est une société qui a eu en 2009 une année relativement positive, malgré un climat ambiant difficile. Cette année positive s'est caractérisée par la livraison record du nombre de pointe-à-vent pour notre client Airbus, 517 pointe-à-vent livrés à notre client Airbus, un chiffre d'affaires de près de 1 milliard de dollars, qui est un très bon chiffre d'affaires pour nous. Et donc, cette première année s'est caractérisée aussi par de grosses satisfactions en termes de réalisation, puisque nous avons, vous l'avez dit, investi énormément. Nous avons investi pour le programme A350, puisque nous allons, dès cette année, commencer à voir émerger de terre sur notre site de Méholt, notre usine flambant neuve de composites. On y a investi plus de 200 millions d'euros. C'est un tournant technologique capital pour notre société. C'est cette capacité qu'aura notre société à offrir à nos clients, Airbus, mais aussi d'autres, on va en parler, la meilleure des technologies possibles, qu'elles soient métalliques ou composites. Et c'est un virage très, très important. Par ailleurs, nous avons, au mois d'octobre dernier, fait l'acquisition d'une activité de tuyauterie qui est une activité qui nous propulse dans le monde des systèmes pour demain offrir à nos clients la capacité de livrer des tronçons d'avions, mais aussi des tronçons équipés, ce qui est aussi un grand changement. Et puis cette année 2009 a été une année dans laquelle très créatrice d'emplois pour nous, puisque nous avions démarré avec 1900 collaborateurs, nous en sommes à plus de 2300 collaborateurs. Donc là aussi, nos équipes ressources humaines ont fait un très très gros travail pour renforcer nos compétences, renforcer nos savoir-faire avec des hommes et des femmes qui sont arrivés de tout horizon et qui font aujourd'hui cette communauté aérolienne. Alors, ce qui surprend, mais plutôt agréablement, justement, toute la communauté autour de l'aéronautique, c'est justement cette capacité à avoir très rapidement développé une culture d'entreprise propre à Aerolia, d'avoir finalement embarqué beaucoup de monde en peu de temps pour un nouveau projet d'entreprise. Quels ont été finalement les leviers qui vous ont permis véritablement d'entraîner tout ce monde-là, plus de 2000 personnes, dans un véritable nouveau projet d'entreprise, clairement où ces gens se sont retrouvés du jour au lendemain airbusiens qui sont devenus, j'allais dire, des collaborateurs du groupe Aerolia? Je crois qu'aujourd'hui, d'abord, il faut revenir sur notre histoire. Notre histoire, c'est la création le 1er janvier 2009. Et là, à cet instant-là, nous avons voulu, c'est vrai, toute l'équipe de direction de l'entreprise, vraiment insuffler un esprit de start-up. Ne pas oublier notre culture technique, nos 90 ans d'histoire. Nous sommes des fils des pionniers, Pothès, la TQR, les gens qui ont conçu le Concorde, la Caravelle. Donc on voulait garder cet esprit et cette culture venant d'aérospatial, de ADS, mais on a voulu aussi insuffler un esprit start-up, c'est-à-dire permettre d'avoir une organisation plus compacte, plus proche des gens.
Et je crois que même si ça a été difficile pour certaines de quitter l'entreprise Airbus, parce que c'est une entreprise extraordinaire, emblématique, je crois qu'on a réussi à insuffler une culture d'entreprise faite de dynamisme, faite d'entrepreneurship. Hein, et ça a relativement bien fonctionné. Les équipes ont adhéré au projet. Ce n'est pas fini, hein, c'est une première étape, mais je crois qu'on est sur la bonne voie. Christian Cornil, parmi vos objectifs, en tous les cas, vous aviez lancé à la création d'Aerolia, c'est la volonté aussi d'aller chercher d'autres clients que ceux d'Airbus. Quel est le bilan aujourd'hui que l'on peut tirer après un an et demi, on va dire, d'exploitation et de création d'Aerolia? Nous étions fixés comme objectif en 2009 de rencontrer la totalité des clients potentiels d'Aerolia dans le monde. Ça a été fait. Nous avons rencontré Boeing, nous avons rencontré Bombardier, Embraer, nous avons rencontré Dassault, Pilatus. Tous les grands ont été rencontrés et presque avec tous, on a développé un projet. Nous, l'aéronautique, c'est quelque chose qui se vit à cycle long. C'est jamais des cycles courts. Mais je peux vous dire qu'avec chacun d'entre eux, on a un projet. On espère que le marché va redémarrer pour permettre à ces sociétés de lancer des nouveaux produits. Puisque nous serons là quand les nouveaux produits seront lancés chez tous ces grands. Et nous avons d'ores et déjà posé des jalons importants auprès de chacune de ces sociétés. Et j'étais encore la semaine dernière aux États-Unis, chez Boeing et chez Cessna, pour discuter de ces potentiels projets pour le futur. Que répondez-vous aux observateurs qui disent que finalement aujourd'hui, il y a la nécessité d'avoir une structure peut-être encore plus importante pour être concurrente face à des acteurs comme Spirit? Certains vous verrez grossir. Est-ce que vous considérez que c'est le moment, que le moment n'est pas venu, que vous regardez des opportunités? Certains ont éventuellement parlé de certains rapprochements qui pouvaient se faire. Est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, Aerolia a la taille suffisante pour, je dirais, être la plus compétitive face au gros marché de demain? Aujourd'hui, 1 milliard de dollars de chiffre d'affaires est un chiffre tout à fait respectable puisque nous sommes numéro 7 mondial des aérostructures. Mais effectivement, comme vous l'avez dit, dans la compétition qui s'annonce au niveau mondial, notre grand compétiteur pour nous, c'est clairement Spirit, qui est aux alentours de 4 milliards de dollars. Donc vous voyez, l'effet d'échelle est assez important. Et nous savons que la taille critique est quelque chose d'important. Nous avons comme plan stratégique à horizon 2020 de multiplier par 3 notre chiffre d'affaires et cette croissance, nous l'avons imaginée. Nous avons une stratégie très claire avec une croissance interne d'à peu près la moitié de ce différentiel et une croissance externe de l'autre moitié. Ce qui veut dire que des projets, on en a, mais on sait que dans notre métier, le temps doit être donné aux choses et il ne faut pas précipiter. Nous avons de nombreux projets devant nous, d'ores et déjà. On a parlé du projet A350, nous devons constituer aussi notre base industrielle en France et à l'étranger, et je crois qu'on s'y emploie, mais nous avons une vision stratégique claire, et cet objectif de 3 milliards de dollars, c'est notre étoile et on s'y accroche. Christian Cornil, avez-vous été, en tous les cas, regardant, attentif aux évolutions de la recapitalisation de la TQR? Tout à fait, je crois que je suis attentif à tout ce qui se passe dans le marché des aérostructures. J'ai été très attentif au rapprochement de Triumph et de Vought aux États-Unis, qui est une très grosse opération qui va générer probablement le numéro 3 mondial des aérostructures. Donc tous ces mouvements sont en train de s'opérer. On y est très très attentif et on est, je dirais, aux côtés de la TQR pour examiner avec eux les capacités pour leur permettre de continuer leur développement ici, sur le sol français, mais aussi à l'international. Christian Cornil, enfin, l'année dernière, vous implantiez une filiale en Tunisie, comme beaucoup d'entreprises, hein, finalement, dans le secteur aéronautique, qui sont allées justement pour essayer d'être plus performants. Quel est là aussi le bilan que vous pouvez en tirer? C'était nécessaire de le faire? On a donc signé un protocole le 28 janvier 2009, donc très vite après la création de la société, on a signé un protocole avec le gouvernement tunisien. Quelques mois plus tard, on a créé notre filiale, c'était le 28 avril, et le 28 décembre, comme quoi il y a des signes qui ne trompent pas, nous avons livré nos premiers sous-ensembles fabriqués en Tunisie à partir d'un site qui est notre implantation provisoire là-bas. Et il y a quelques semaines, nous avons posé la première pierre de notre futur bâtiment en Tunisie. Donc notre projet en Tunisie se déroule très bien.
Nos objectifs économiques là-bas sont en ligne avec ce que nous avions envisagé. Donc nous sommes très satisfaits de cette aventure-là, très satisfaits également du choix du pays, la Tunisie, parce que nous recherchions un pays dans lequel nous pouvions avoir un soutien important du gouvernement tunisien, ça a été fait. Un pays dans lequel nous avions une main-d'œuvre qualifiée, c'est le cas. Nous avons aujourd'hui plus de 50 collaborateurs qui travaillent à nos côtés et nous continuons ce développement et je crois que ça s'inscrit dans la durée. C'est un partenariat qui se veut long terme avec la Tunisie et je voudrais dire aussi que ce partenariat, c'est l'aventure d'Aerolia, mais c'est aussi l'aventure d'un certain nombre d'entreprises qu'on choisit de nous accompagner dans ce que l'on appelle le parc aéronautique Aerolia. Donc je parlerai de Figeac Aéronautique, d'Aeroteam, de Mecaertz, de Mécanivoie, de Corse Composite, de Mecaprotect. Tous ces acteurs ont été sélectionnés parce qu'on a senti chez eux la volonté de créer là-bas, en Tunisie, un système complet au service de la compétitivité de nos entreprises françaises, européennes plus largement, parce qu'on a conscience que c'est un outil qui va nous faire gagner au niveau international. Pour conclure, Christian Cornil, pour que vous soyez, pour que le président, en tous les cas, d'Aerolia soit un président heureux à la fin de l'année, quels devront être les objectifs à atteindre ? Les objectifs à atteindre sont d'abord pour nos actionnaires. Il faudra que l'on tienne nos objectifs économiques. Cette année 2010 ne sera pas une année record, nous le savons. On ne peut pas battre des records chaque année. On essaye de les battre chaque année, mais on ne peut pas les battre chaque année. Et puis, un président heureux, ce sera un président qui sera capable d'avoir autour de lui une équipe toujours aussi motivée et qui a envie d'aller accrocher cette étoile de 3 milliards de dollars et dans le top 3 mondial des aérostructures. Merci, Christian Cornil, d'avoir répondu à notre invitation. Merci à vous. Un lieu unique avec un jardin de 1000 m² orné de vignes, idéal pour vos repas et réunions d'affaires. Regardez le Club Éco d'ObjectifNews.tv avec l'hôtel Radisson Blu Toulouse Aéroport.